Le 17 janvier 2008, il y a 15 ans, Mimi faisait ses adieux au grand amour de sa vie. Victime d'un cancer foudroyant, Carlos décédait à l'âge de 64 ans dans l'hôpital parisien où il était soigné. Tous les traitements se sont révélés inefficaces. Le dernier miracle américain auquel avait rêvé l'artiste n'a pas pu finalement le sauver. La maladie était un sujet tabou entre nous. Nous restions dans une sorte de mensonge. Il vivait un martyr, mais il le cachait à tout le monde. Il s'est battu comme un lion jusqu'au bout, jusqu'à ce 17 janvier 2008. Et là, Mimi, totalement sous le choc et ne pouvant s'imaginer vivre sans l'homme qu'elle aimait, elle a tenté l'irréparable. Elle dit « J'ai perdu courage, j'ai voulu me suicider, je me suis jeté par la fenêtre ». 15 ans après, la douleur est toujours aussi vive.